la volonté du propriétaire était de garder la structure extérieure du bâtiment, ses formes de toit qui étaient très intéressantes, ces casquettes qu'on retrouve là, qui étaient assez avant-gardistes. Et tout l'art de Jean-Michel Vimotte a été de redonner une deuxième vie à ce bâtiment, de garder son âme d'origine, tout en rénovant tout, en remettant tout au goût du jour. On est à Saint-Tropez, qui est un endroit de fête par excellence, et on voulait être un petit peu à ce contre-courant, avec beaucoup d'espace, une très grande tranquillité, profiter du cadre naturel exceptionnel que nous avons. Pour la petite anecdote, le spa a été construit dans l'ancienne boîte de nuit. L'hôtel est posé comme ça sur le rocher. On voit les résurgences d'eau quand il pleut, on a des petites sources qui coulent. Et donc on a, alors qu'on a la vue sur la mer, ce côté très minéral ici, qui donne encore une autre énergie au spa et qui permet aux gens de venir se détendre entre deux soins. On a créé il y a 2 ans un très joli potager dans lequel on a énormément de légumes, de plus en plus de fruits, un très grand jardin d'herbes, et ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une qualité de produit exceptionnelle. Et le chef, entre deux services, va avec son équipe dans les jardins, voit ce qui est mûr, récolte les fruits et les légumes au moment où ils doivent être pris.